C'est sur cette départementale sinueuse et à flanc de colline que le car scolaire s'est retourné ce matin à son bord. 43 élèves du collège Saint-Thomas-d'Aquin d'Oulain. Le bilan est quasi miraculeux, 3 blessés légers. Pour certains, la vitesse pourrait en partie expliquer cette sortie de route. Ah, pour moi, c'est certain qu'on allait beaucoup trop vite. Déjà en temps normal, cette vitesse n'était pas appropriée, et en plus avec la neige. La neige, sans doute à l'origine donc de cet accident. Pourtant, comme partout dans le département, cette route avait été traitée tôt dans la matinée. Ce qui est sûr, c'est que cette route a été salée plusieurs fois dans la nuit, mais que la neige qui tombe depuis ce matin est une neige extrêmement lourde, donc très collante, très humide, et donc qui rend les conditions de circulation assez difficiles. Malgré la vigilance orange et contrairement au département voisin, c'est la préfecture qui a autorisé les cars scolaires à circuler normalement ce matin dans le Rhône. Une décision incompréhensible pour certains parents d'élèves. Non, je pense qu'ils ont pris des risques quand même. Parce que la route était vraiment, à 7h ce matin, était vraiment enneigée et pas assez salée. Hormis cette sortie de route, notez qu'aucun autre accident majeur n'est à déplorer ce soir dans le département.